les quartiers à investir, c'est d'abord avoir un climat dans une ville sympathique, un climat qui donne envie de vivre, où il y a du vivant. Ici, on est dans la place symbolique de la place Amérique, on a refaite, et regardez, on a donné la place aux piétons, aux vélos, aux mamans avec les poussettes, sans enlever la possibilité de circuler en voiture de l'autre côté. Tout ça ne peut pas se faire sans les 2000 places gratuites à 3 minutes à pied, tant au nord qu'au sud. On a refait le square Chamville, la place 25 août, l'office de tourisme, on a refait la place d'Engembert où il y a le jardin des neiges aujourd'hui, et on s'est attaqué à la place d'Amérique qui était un très très gros travail. Il y a des poubelles, il y a tout, voilà, c'est fait pour vivre. C'est la place du marché aux oiseaux où il y a beaucoup de vie. Il y a des parkings dessous qui ont été rénovés. Ça veut dire que les gens peuvent venir se garer. C'est une place qui est très fréquentée l'été, notamment au moment de Fiesta Bodega. Un peu plus loin, on va le voir, on a préempté tout un îlot qui va déboucher sur 35 logements. Ça s'appelle l'îlot Mouton. Et là, on est aidé par l'État. C'est le PNRQAD, Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés. Sans cette aide, qui correspond à peu près à 20 millions d'euros sur 30 millions, avec toutes les collectivités, y compris l'État, on accélère, en 15 ans, on fait ça en 7 ans. Et là, le premier rideau, c'est l'îlot Mouton. 35 logements, 35 parkings, et ça, c'est du logement pour tous. On aura à côté de l'îlot des Versins, qui lui sera à l'accessibilité, c'est-à-dire à vendre, à peu près une quatorzaine de logements. Et là, on essaie de faire tout le parcours du logement, de la location, de la location-vente, de l'achat. Si on prend l'exemple d'une rue juste à côté, la rue Raspail, ça a commencé déjà par la rénovation des appartements. Puis dessous, il y avait des commerces. Les commerçants dessous ont ouvert et les premiers clients, c'est ceux qui habitaient au-dessus. On revient comme avant. Et ça, c'est formidable. On revient vers le pratique. Les gens en déplacement en vélo, à pied, des parkings gratuits tout près, une navette gratuite, tout pour faire rentrer dans la ville.